Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu spéciale car c'est une vidéo FAQ à laquelle je vais répondre à toutes vos questions. En effet, vous êtes beaucoup à m'avoir demandé ce que je petit déjeunais le matin. Eh bien, il s'avère que tous les matins, je bois du jus de pomme Tropicana, mais pas n'importe lequel, le jus de pomme Tropicana Pink Lady. Avec ce jus de pomme Tropicana Pink Lady, je mange des biscuits sans gluten et des galettes de riz. Tu te souviens de la fois où Rémi nous est arrivé de Liptonique ? Tout le temps, mes habitants parlent de palmiflorus. Il y en a ras la casquette de palmiflorus. Palmiflorus par-ci, Rémi de Liptonique par-là, et blablabla, j'ai parlé à Rémi, nanani nanana. Sur ma vidéo YouTube où on visite son île, c'est OMG, le mec a une voix trop relaxante, what the fuck, ce mec a l'air trop beau, intelligent, gentil, magnifique et sensible. Palmi, 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 plein le cul. La classe, tu traces les aisselles de genoux, toi ? Oh mais c'est horrible, imaginez, on devrait aussi... Les garçons, vous avez des poils aux aisselles de genoux ou pas ? J'ai jamais inspecté le dessous des genoux de Ponce et Rive. Non ? Bah je sais pas, vous en avez partout. Genre y en a, ils en ont dans le dos et tout, donc pourquoi pas dans le dessous des genoux ? Non ? C'était moi qui l'ai vu. Bon, est-ce que c'est grave? Popo, tu vas finir avec Tony. Non, pas lâche. Non, 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 non. Salut, salut. Bonjour, vous connaissez des astuces Ratus pour devenir riche? Bah, braquer une banque, par exemple. Enfin, un braquage entre Ratus, quoi. Ok, merci. Non, non, attends. Attends. Ne reproduisez pas ça chez vous, s'il vous plaît. Ne braquez pas de banque. Demain, je vais faire la une des journaux. Flash news, une streameuse incite ses viewers à aller braquer des banques au nom des astuces Ratus. Ah non, hein. Commence pas à t'asseoir n'importe où, toi. En gros... Les couilles, frère. Marvin, tu sais ce que je suis en train de faire? Me faire chier, c'est ce que t'es en train de faire, Marvin, t'es en train de me faire chier. Je reste assis sans rien faire, bah dégage alors. Tout le monde sait que tu vas m'amener la manette, hein. C'est pas... T'as marché vite, merci. Regarde, hop là. Coucou Ponce. Tout le monde te bonjour, dit coucou. Ponce. Ah, elle est là, la cam. Putain, je sais même pas où elle est, la cam. Elle est là. Yo. Là. Yo. Yo. Mais du coup, ouais. Ah oui, d'accord, oui. Ouais. Attends, mais tu joues depuis tout à l'heure? Ben non, mais je perds tout, du coup. Genre, excuse, quoi. Bah, vas-y, teste, normalement. Même sans la manette, elle perdait, hein. Bah, attends, je m'en parle. Dis, même sans la manette, elle perdait. C'est un monstre. Vas-y, Ultia, fais deux. Tu sais, je suis content pour toi et pour ton mariage. Je sais que c'était un peu ambigu entre nous deux, mais je suis content que t'aies trouvé ta voie. Merci, mais je crois que je t'aime. Comment ça, tu crois que tu m'aimes? Mais tu vas te marier avec Makoa dans 15 minutes? Je crois que je n'ai pas envie de cette vie-là. La vie que je veux, c'est à tes côtés, Oku. Tu ne peux pas dire ça, Ena. Je ne te laisserai pas dire une chose pareille. Enfuyons-nous loin d'ici. Mais j'ai mes responsabilités ici, je dois sauver l'île. Écoute, Ena... Tu n'es pas bien avec lui, réfléchis à notre futur ensemble. Mais je crois que tu... Mais non. Bon, c'est le bureau du CPE ouais. Ou du proviseur là? Madame, le shit. Le shit, il était pas à moi, je vous jure qu'il était pas à moi le shit. Si, il était à vous. Non, je vous jure, il était pas à moi. On l'a mis dans mon sac le shit, vraiment. Arrêtez de me mentir, regardez-moi dans les yeux. Arrêtez, je vous jure le shit, c'est pas... Je vous jure, c'est pas moi. Ça marche pas avec moi. Promis, prochain contrôle de maths, je vous prouve le shit, c'est pas à moi, j'ai 17.
J'ai 17. Je sais pas si je dois vous croire ou pas. Ah, vas-y, tu pues la merde. Ah, t'imagines que pardon le pire élève. Genre, écoutez-moi devenir la prochaine Reine des Neiges. La Reine des Neiges 3, parce qu'en fait, la Reine des Neiges 1 et la Reine des Neiges 2, c'est pas la même doubleuse de Elsa. La 3, c'est moi, les gars. La 3, c'est moi. Je suis pas en mode, écoutez, les nazes, libérez, délivrez, etc. J'en ai plein le cul, balayez-moi ça et donnez-moi des pouvoirs de feu. J'en ai plein le cul de la glace, en fait. Allez, le kill. 2 kills. 3 kills. Et le full team. Allez, sur ce, nous, on repeint ici, parce que c'est ce pourquoi on existe, en fait. Moi, j'ai pas vraiment de temps à perdre. C'est bien, il joue bien, la Nani 08. Ah bah, faudrait que quelqu'un me cover derrière, mais ouais. Sinon, c'était bien joué de sa part, devant. Squeezie a sorti une vidéo. Incroyable, incroyable. Putain, je suis tellement heureuse de le savoir. C'est ouf. Bah, n'hésitez pas à me tenir au courant à chaque fois que Squeezie sort une vidéo. En vrai, ça m'intéresse de ouf. J'ai fait un doublé. Vous avez vu ce que j'ai fait? Oh, triple! Oh là là, le shield. Oh mon dieu, je suis tellement heureuse de vivre. Actuellement. Tellement heureuse de vivre. Pose-le. J'ai donné une mandale au micro. Désolée. Ça grésille, du coup. Il t'y accoute. Cette personne me fait peur. Non, mais celle-là, c'est la last. Celle-là, je vous promets, c'est la last. Allez. Francis Lalas. Putain, la panne du rire, quoi. T'y mets trop. Non, c'est vraiment pas obligé. Honnêtement, vous n'êtes pas obligé de l'intégrer à votre gameplay. Ah non. Ah non, j'arrive plus. Je perds mon temps à cause de l'écran. Oh, mais... c'est à la fois nul mais c'est et la bien, pire map j'ai... qui a voté pour cette map de merde. C'est toi, t'as pris aléatoire, c'est tombé là-dessus. Mais c'est quoi ton gamer tag que je t'invite? Je peux t'ajouter en ami? C'est Señorita Carl. C'est Señorita. Tu peux non, pas c'est prendre pas des noms normaux comme tout le monde. C'est Señorita. C'est una princesa de la. Mon pseudo, il vient de l'Italien. Devant ça, t'as l'impression que c'est une pizza le truc. C'est genre, mais non, mais juste donne ton place. Avec supplément, s'il vous plaît, avec base crème fraîche, s'il vous plaît. Je vais détruire tous tes rêves et tous tes espoirs. Oh, les vaches, tu les touches pas, hein. Oh, il a tué la vache. Enfin, il laissait... Merde. L'arbi. Elle est pas morte, c'est bon. Oh, oh non. Ah ben voilà. Oh non. J'ai pas fait exprès. Les deux en plus, les deux en même temps. Oh non, je suis sous le choc. Oh non. Charge un dragon. Et je roule un dragon. Exactement. Et tu vises. Et je roule un dragon. Fisse les teutés. Je roule un dragon. C'est pas cool. Je roule un dragon là. Je vais rouler un gros dragon. Je me marave avec un dragon. Faustin. Je roule un dragon. Oui, c'est moi. Faustin, est-ce que vous rouleriez pas un long pour moi, Faustin, s'il vous plaît? Tout à fait. Je m'occupe de rouler ce gros doubi. Merci, Faustin. N'hésitez pas à faire un royal, Faustin. N'hésitez pas. Vous pouvez me montrer le schéma que vous m'avez montré pour faire le royal, je m'en souviens plus très bien. Bien sûr, je vous montre cela tout de suite. Et si on faisait un collage en forme de tulipe, peut-être? Faustin, qu'est-ce que vous en pensez? C'est magnifique, la weed. Je pense que... non, baleine des glaces, j'ai pas de planning, mais... mais je tiens au courant de mes lives sur Instagram et sur Discord. Et à la fin de mes lives, je dis tout le temps quand est-ce que je live la prochaine fois. Voilà, Neko devient sponsor.
Ultra qui est fatigué de devoir mettre une pièce dans la tirelire à chaque fois. On sait 124. Exactement. 124, code de réduction à l'alchimiste de Saint-Germain-en-Laye. D'ailleurs, il a réouvert. Il a réouvert, faudrait vraiment qu'on y aille. Ah, bah, grave. Carrément, alors, avec grand plaisir. Alors là, incroyable. Juste après la course, on fera un live en direct de l'alchimiste de Saint-Germain-en-Laye. Oh regardez, il y a Antoine qui vient de prendre un 248ème shot, attends. Il est monumental ce soir. Il est complètement raide. C'est vrai. Il me casse ma rouge. Antoine, déchiré comme un drap pauvre. Antoine Daniel, la star de YouTube en 2013, on le retrouve ici, échoué contre un comptoir, de l'alchimiste à Saint-Germain-en-Laye. Que fait-il ici? Déchéance, alcool, drogue, sexe. Il a tout oublié de ses heures passées, ses heures de gloire qu'il a connues sur le net. Oh, j'ai pépé.